L'Éditou de Djameldine Ben Chenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Content de vous retrouver après cette absence de quelques semaines. La situation au pays n'en finit plus de dégénérer, malheureusement, de se compliquer, à un point où, si ce n'était ces providentielles ressources hydrocarbures, le pouvoir ne pourrait même pas assurer la sécurité alimentaire du pays. Et pour cause, puisque même la production agricole actuelle est très fortement liée à des intrants dont l'importation se facture en devises étrangères, puisées par conséquent dans les mêmes ressources hydrocarbures. La nature du système qui a pris le pouvoir et qui ne réussit à le garder que par une habile combinaison de la répression, de la fraude électorale et de la corruption de masse, a fini par produire des conséquences que peu de gens imaginent, puisque la société a été anesthésiée, voire plongée dans un coma politique profond. Ces élites ont été corrompues, terrorisées ou contraintes à l'exil. Sa presse est un puissant moyen de basse propagande. Ces universités ne savent plus ce qu'implication politique veut dire. C'est désormais une situation inextricable, à un point où il serait très difficile, y compris pour des hommes d'État chevronnés, si nous pouvions les importer, de pouvoir la redresser. Parce que plus que la dévastation économique, c'est la citoyenneté qui a été éradiquée, c'est le civisme, c'est la conscience politique. La situation est telle que le régime lui-même n'a plus d'autre choix qu'une gouvernance improvisée, dans une effrénée fuite en avant, où le mensonge d'État, combiné à des mesures populistes, procède d'une démagogie et d'épouvantail de toutes sortes, dans un système où même les plus puissants ne le sont que par défaut, où tout le monde semble être dans l'attente d'une hypothétique solution, mais où pourtant tous les barons ont pris le soin de mettre leur fortune et l'avenir de leurs enfants à l'abri, loin de l'autre côté de la Méditerranée. Mais ils ne sont pas les seuls. Des millions de gens, dans toutes les couches de la société, ne rêvent plus que de pouvoir fuir le pays avant la débâcle générale. C'est un désastre sans nom. Un pays tout entier érigé en système D comme Dabarrask, où les familles s'enferment derrière leurs barodages et leurs portes métalliques, où le domaine public est livré aux prédateurs, où ne règne plus que la loi du plus fort, où l'urbanisme a déserté la cité, et le civisme aussi, où des milliers de nouveaux riches se répandent en outrance et où des millions de retraités lorgnent avec envie sur les étals puisqu'ils ne peuvent même plus se permettre de nourrir dignement leurs familles respectives. Un pays tout entier livré à une faune de flibustiers et de prédateurs économiques qui ont réussi à donner du pays l'image très artificielle d'un pays qui ne manque de rien, dont les vitrines regorgent de produits importés, mais où la population manque de tout, manque de l'essentiel, jusque dans ses hôpitaux, transformés en mouroirs, et dont le chef de l'État affirme pourtant qu'il constitue le meilleur secteur de la santé en Afrique et au Maghreb. Dans la vie de tous les jours, la majorité de la population a oublié le goût de la viande, du poisson, des fruits, des légumes secs. Il a découlé de cette débâcle une altération en profondeur de toute la société. Le ver était dans le fruit et il allait y faire des ravages incommensurables. corruption de masse, normalisée dans les esprits au point où d'aucuns se permettent des hajj à répétition avec l'argent de la tchipa. Pistons érigés en pâte blanche, insécurité, mots sociaux déclinés à tous les modes de la déchéance. Et c'est désormais ainsi, du sommet à la base. Une société dont on a extirpé toutes les antiques valeurs, où le plus faible est livré à lui-même, où la qfaza est érigée en valeur suprême, où la faim justifie les plus vils moyens. Pourtant, tout en haut, étourdi par l'ivresse des sommets, un chef de l'État qui a trouvé refuge dans les plus éhontés mensonges et qui se fait entretenir dans l'illusion d'avoir donné le jour à la nouvelle Algérie. بقاو على خير. L'édito de Djameldine Ben Chenouf.